أوتوليف كانت حلمة، كانت تجربة في أكتوبر 98. بديت بثلاثين عاملة، بديت تجربة يشوفونا إذا كان نجمو نخدمو الفولون ولا لا. الحلمة هذه كبرت مجهودات لسوبيراتور متاعنا الكل، مجهودات العمال والعاملات، مجهودات الإطار الكبير والصغير، التكنيسيان وليزانجينيور، كبرت مع الناس اللي موجودة. كانت عوام متالية، كل عام تزيد تكبر الشركة هذه. وصلنا ل 2018 قلنا يبان سي لو مومون باش يكون عندنا أزينة جديدة. المعمل هذا ما ينجم يكون كان في الفحص، المعمل هذا ما ينجم يكون كان مستقبل أولادنا ولبناتنا اللي باش يكملوا بيه. نادي بالأخضر ريسبونسابل دي زوبيراسيون 25 سنة في شركة توليف. Je me présente, Choukri Charabi, je suis le chef de projet de la construction de nouvelle usine. Comme vous voyez là, c'est une très belle usine qui est construite dans une année à peu près, avec le parfait achèvement. Dedans, il y a plusieurs actions qui sont réalisées, telles que la partie infrastructure, la partie sociale et surtout la partie sécurité de bâtiment. Notre bâtiment, c'est un bâtiment déclaré d'intérêt national, dont je remercie initialement le gouvernement, la présidence qui nous a facilité la tâche d'avoir les autorisations, quels que soient les permis de bâtir, l'acquisition du terrain ou bien au terme des agréments certainement dans une zone industrielle qui est vierge. C'est une fierté pour la Tunisie d'avoir un projet pareil, c'est une fierté pour le gouvernorat de Zagouan, c'est une fierté pour la délégation de FAS et les employés Autoliv, autant que nous sommes les premiers qui ont inauguré cette zone industrielle. Ce bâtiment-là, comme vous voyez, avec toutes les installations sécuritaires qui touchent la partie NFPI, c'est la norme FM globale, avec un bâtiment sprinklé à 100%. Dedans, il y a le moyen de lutte d'incendie autonome. Nous avons mis à disposition de nos salariés ce qu'il faut en termes luxe et en termes excellence industrielle. Tout ça, ça va nous amener tous à avoir des bons produits pour nos clients. Bonjour, je suis Olivier Darcel, je suis le directeur Autoliv en Tunisie. J'ai 52 ans et depuis 9 ans, je suis à ce poste. Aujourd'hui, Autoliv en Tunisie, c'est 4600 salariés, c'est 3,6 millions de volants par an, c'est 60 destinations à travers l'Europe, à travers l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Afrique du Sud. On fabrique des volants aujourd'hui en Tunisie en 5 jours. Depuis le début du process de la fabrication des armatures, jusqu'au polyuréthane, jusqu'au gainage et assemblage. La construction de cette usine a démarré en décembre 2021. Elle vient de s'achever ces jours-ci. Nous sommes très fiers de pouvoir faire une inauguration le 15 mars 2023 avec l'ensemble de nos partenaires. Cette usine a pour but de regrouper l'ensemble des activités de l'ancienne usine dans un grand bâtiment qui fait 16 000 m². Et ce bâtiment aura l'avantage d'avoir aussi l'ensemble de ces processus. C'est-à-dire, on va aussi démarrer le die casting, on fera l'assemblage, on fera le moussage, on fera l'assemblage des gaines cuir. L'objectif, c'est d'avoir un environnement social, un environnement de travail plus serein, on va dire avec des bonnes conditions, où on puisse se retrouver, pouvoir discuter, échanger, et progresser bien sûr. On va aussi augmenter nos volumes de production, c'est aussi là l'objectif, de passer de 3,6 millions par an à 6 millions. Là est le target de cette nouvelle usine, d'être efficace, d'être efficient, d'être dans un environnement serein et de pouvoir progresser et de voir l'avenir sous de meilleurs auspices et de pouvoir continuer à progresser. توا حتى الحرفية ولا أي عبد يجينا يقول يبان بالحق بوميريتي هذا نستحقوه نستحقوه بالحق. أنا فرحانة على خاطر وصلنا لحاجة كي من هكا، حاجة لبلادنا، حاجة محلاها. كي تبدأ خارج في الطريق وتلقى حاجة كي من هكا تقول واو، أيه وصلنا وعملنا حاجة.
اليوم الشركه هذه عندها 25 سنه، الشركه هذه مازالت تكبر ومازالت تزيد تكبر ومازالت تزيد تعطي. Notre objectif c'est que chacun trouve sa place, qu'on pérenne l'activité et qu'on ait un développement qui soit tourné vers l'écologie, vers le green factory comme on dit en anglo-saxon et qu'on puisse voilà 2020, 2030, 2040 et qui sait. Voilà. Je vous souhaite un bon voyage et je vous dis à très bientôt.